Aujourd'hui, je vous emmène sur la passerelle de Mazamet. On va voir un petit peu ce que ça peut donner, ce mélange un petit peu architectural, industriel pour moi, puisque c'est que de l'acier et la montagne, les couleurs d'automne et tout un tas de choses qui pourraient faire que cette photo pourrait être sympathique. En plus, on a un ciel qui est assez chargé, assez sympathique, donc à suivre. Et grosso modo, l'idée, c'est d'avoir une belle lumière, ce qui est en train d'arriver, pour faire une photo ou deux de cette belle passerelle. J'ai déjà eu l'occasion justement de faire des photos là juste avant de commencer ce petit vlog et je dirais que je suis assez positif. Voilà, ça devrait bien se passer. Alors voilà, me voilà d'un côté de cette passerelle. Je sais pas combien de mètres elle fait, je sais pas la hauteur qu'elle fait. C'est la passerelle de Mazamet. En tout cas, là, l'arrière-plan est assez sympathique. Pourtant, j'ai l'impression que la vue de l'autre côté est plus intéressante. En fait, là, ce qui me chagrine un petit peu, c'est cette grosse masse, cette très grosse masse d'arbres derrière, un petit peu trop uniforme à mon sens, en termes de couleur et de masse surtout. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Par contre, on a vraiment le gros bloc de rocher là, qui tient la passerelle, qui est splendide. On a ce premier plan, voilà, cette grosse montagne qui est fort intéressante. Et je dirais que je vais quand même faire ce cliché-là, mais je suis convaincu que l'arrière-plan va pas forcément m'aider à valoriser cette prise de vue. Après ça, je vais retraverser le pont parce que clairement, les masses d'arbres et les couleurs sont plus intéressantes lorsqu'on regarde le pont de l'autre côté, en tout cas en cette période de l'année. Alors pour cette première photo, je vais tout simplement faire du bracketing. Le principe, ça va être de faire pour le coup 5 images. Généralement, j'en fais 3, mais là, je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Donc je vais en faire 5 qui vont me permettre, on va dire, de compenser le fait que je n'utilise pas de filtre dégradé. Ce qui fait qu'à la fin, soit en faisant du HDR, de l'assemblage de photos pour aboutir à des fichiers HDR, donc des fichiers qui sont beaucoup plus riches en termes d'informations colorimétriques, ou alors pour les fusionner et prendre différentes parties du ciel et dégradé pour avoir différentes expositions au sein de la même image et ainsi avoir une image assez sympathique en termes de couleurs et de nuances. Voilà, donc dans l'idée, hop, là j'ai fait ma mise au point au bout du pont, j'attends qu'il n'y ait plus personne dessus, que ça bouge pas, j'ai quand même une belle nuance d'automne. Je vais faire deux photos principalement, donc deux séries de 5 photos, une on va dire classique et une un petit peu plus pointée vers le haut pour récupérer du ciel et on va voir ce que ça donne.
Alors je viens de passer de l'autre côté de la passerelle et clairement effectivement on a beaucoup plus de taches entre le vert, le brun et les jaunes au niveau de cette face là on va dire. En plus on a un ciel qui est assez expressif voilà au niveau de la droite, donc ça c'est un plus. J'aurais aimé que ce ciel un peu expressif se déplace un petit peu sur la gauche, voilà, j'ai l'impression des fois quand je fais ça d'être Miss Météo une nouvelle fois, mais en tout cas je suis assez content de mon point de vue. Je vais jouer avec ça, hop, je vais en profiter. Je vais me déplacer un petit peu là, de façon un petit peu latérale, pour varier mes angles. Et tu vas voir ce que ça donne. Donc là, je vais travailler un petit peu vite parce que je pense que là, ce qui est en train d'arriver, c'est de la pluie. Hop là, et bien voilà, je l'avais vraiment vu venir celle-là. Donc j'ai eu le temps de faire mes photos, je suis tombé sur un groupe de personnes super sympas, puisqu'ils m'ont laissé la possibilité de vraiment de faire des photos du pont, enfin de la passerelle, sans qu'il y ait personne dessus. Donc ça, c'est cool. Et après, bah, je me suis un peu activé pour profiter un petit peu de la lumière qu'il y avait, qui était très intéressante. Et puis bah, le pluie est arrivé, j'ai réussi à faire 2-3 clichés. J'espère juste que clairement les gouttes d'eau n'ont pas impacté mon objectif et donc créé des espèces de bulles sur la photo. On verra ça à l'édition. En tout cas, moi je vais découvrir ça lorsque je vais éditer mes photos. Je vous allez voir dans un instant les clichés que j'ai pu faire dans ce vlog qui va se finir tout simplement ici. Si vous avez apprécié voilà, cette petite aventure, la découverte de cette passerelle, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra. Ça permettra tout simplement d'être notifié lorsque je sortirai un nouveau vlog qui vous emmènera sur un lieu peut-être différent. Voilà, différentes saisons dans différents lieux, pour faire à chaque fois le plus beau cliché possible. Voilà, en tout cas moi là je vais redescendre tranquillement, une passerelle fort intéressante, faut pas trop avoir le vertige parce que clairement hop ça reste assez haut. En tout cas moi d'ici mon prochain vlog, ma prochaine aventure, je vous souhaite de faire de magnifiques photos et aussi de votre côté de vivre de magnifiques moments. Allez, à très bientôt, bye bye.